Salut tout le monde, c'est Romain 12. On se retrouve pour le troisième épisode de Let's Build sur Minecraft. Donc vous allez remarquer déjà mon nouveau skin. Ouais, j'ai acheté Minecraft. Je sais pas, ça m'a pris comme ça, j'ai envie de l'acheter. Donc j'ai pris un skin comme ça. Ouais, je le trouve plutôt pas mal, il est marrant. Voilà quoi, enfin c'est un flic. Et donc aujourd'hui on va s'attaquer à la ferme. Donc j'ai déjà mis les bases hein, comme je fais d'habitude. Le gros carré principal il fait une longueur de 27 cubes pour une largeur de 24. Et j'ai fait deux petites avancées. Donc celle-là c'est l'avancée de derrière. Donc elle fait de 3 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3 sur 10. Et l'avancée de devant qui fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, du 7 sur 10. Voilà, donc première chose que vous avez pu remarquer ou que vous êtes en train de remarquer, c'est que oui, j'enregistre en off. Donc là, ce que je montre, c'est juste l'armature de la porte. En fait, il n'y aura pas vraiment de porte, ce sera plus un bâtiment avec une grande entrée ouverte parce que ce sera surtout un bâtiment où on devra passer. Surveiller de l'autre côté de la carte. Alors c'est quand même un bâtiment assez important, il faudra pas le négliger, même si vous allez voir que durant cet épisode il m'arrivera pas mal de galères. Donc regardez les ressources qu'il faut, regardez surtout le nombre de stacks d'escalier que j'ai, et je peux vous dire à l'avance que ça n'a pas suffi. J'ai dû m'en refaire au moins 4 stacks je crois. Voilà, donc on commence, hein, je pose les vitres et premier double clic, deuxième double clic, j'ai été pris d'assaut par les frises durant cet épisode. À la fin de la vidéo, je faisais pratiquement que des triples clics. Bah, vous allez voir ça de toute manière. Quand j'ai enregistré cette vidéo-là en live, mon Dieu, ce que j'étais énervé. Je disais que j'avais presque honte de la poster parce que franchement je vais être vraiment sale à écouter. Je me suis pas écouté parce que déjà cette vidéo là voilà elle m'a pris du temps. Là je regarde le temps de la vidéo, elle fait 43 minutes mais l'image se bloque à 38 minutes. Donc vous constatez vite fait que il y a eu un décalage de 5 minutes entre l'image et le son. Je comprends pas. Avec Pokémon, ça ne me fait jamais ça. Et là, bah, avec Minecraft, c'est la deuxième fois consécutive que ça me le fait. Donc, on dit jamais 203, mais voilà, j'espère que ça va pas recommencer parce que c'est extrêmement désagréable. Alors, je vais quand même expliquer ce que je suis en train de faire. Je suis en train de poser le pattern du bâtiment. Donc, c'est comme d'habitude, hein, Stone et bûche normale, et je laisse des trous. Voilà, encore un double clic. Si vous vous amusez à les compter, je serais étonné de savoir le nombre final de double clic et triple clic que j'aurais fait. Donc, encore un, vous voyez que c'est injouable de jouer comme ça. J'étais extrêmement énervé, d'autant plus que j'avais des pages pub qui arrêtaient pas de venir m'emmerder. Bah vous allez bien voir, de toute façon il y en a une qui arrivera, je sais pas exactement quand, peut-être après une ellipse, on verra. Alors j'ai laissé les trous pour les vides, donc je commence toujours pas mettre de la stone, après je mets des bûches et je pardon, je mets mes vitres au niveau de oula, j'ai la gorge sèche. Je mets mes vitres au niveau de la stone, jamais sur les bûches. Bah, c'est un choix. Après, on aime ou on n'aime pas. On va dire que j'ai fait ça plus instinctivement. J'ai mis une fois sur de la stone, donc j'ai continué. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? Aujourd'hui, on est mardi, mardi 17, et c'était ma deuxième journée de partiel, sachant qu'hier j'ai rendu une copie blanche en maths. J'ai rien écrit sur ma feuille. Je suis sorti au bout d'1 heure parce qu'on est obligé de rester 1 heure
en contrôle, donc c'est assez relou. Donc là, j'ai remarqué que j'ai oublié une bûche, donc j'étais encore plus énervé. Et donc j'ai rendu une copie blanche. Et le matin en chimie, j'étais venu un peu plus tôt pour réviser. Pas vraiment pour réviser, mais pour... Parce que j'étais obligé de venir à cette heure-là. Je devais commencer à 9h30. Voilà, là j'ai fermé une page internet, une page pub qui était venue. Donc j'ai commencé à 9h. Voilà, la page pub qui arrive. Donc ça me le fait souvent en ce moment. Je sais pas si... Si vous, c'est pareil, et si vous avez réussi à enlever ces pubs là, parce que en tout cas, si vous avez réussi, ça m'intéresserait énormément que vous nous dites, que vous me le fassiez partager, parce que moi, ouais, quoi, j'en ai vraiment marre, ça vient tout le temps, dans la vidéo, ça va revenir plusieurs fois, voiture de rêve, tout ça, je m'en fous, quoi. Enfin bon, que disais-je? Ah oui, donc, je commençais à 9h30, oups, pardon. Je commençais à 9h30 et j'étais venu pour 8h30. Parce que je devais ramener mon beau-père à la gare parce qu'il devait chercher son scoot et il pouvait pas y aller en voiture, sinon il aurait dû aller rechercher sa voiture. Donc je l'ai emmené à la gare à 8h30. Et donc j'en ai profité pour aller à la fac. Je suis arrivé à peu près une demi-heure. Une demi-heure avant le contrôle. Donc je vais à la BU, à la bibliothèque, et je révise. Je pensais que ce que je devais réviser, c'était les techniques expérimentales de chimie. Donc c'était rapide. J'ai révisé ça en 2 secondes. Après, je me repose, enfin tu vois, je mets ma tête dans les bras. Et je commence à m'endormir. J'avais complètement zappé qu'il fallait être au contrôle à 9h15, tu sais, enfin un quart d'heure avant... Avant l'heure réelle du contrôle. Et je commence à m'endormir, je vois l'heure 8h23, quelqu'un me bombarde de messages, il me fait ouais, t'es où et tout ça. Et franchement, si j'avais pas levé la tête à ce moment-là et que j'avais pas vu mon téléphone qui avait sonné, je serais arrivé en retard. Donc ça, c'est le premier coup de malchance. Donc attends. Voilà, j'ai fini avec la bûche et la stone. Dans un premier temps, et on va s'attaquer au toit. Et vous allez voir que le toit, c'est une sacrée pagaille. Donc là, je prends pas mal de stacks, hein. Vous allez voir que tout l'intérêt de ce bâtiment est dans le toit. Parce que en soi, c'est pas un bâtiment extrêmement compliqué, hein, vous pouvez voir. Par rapport aux deux autres que j'ai fait avant, il n'y a pas vraiment d'avancée sur les côtés. Donc voilà quoi. Je vais mettre des trappes dures à la fin, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, je fais juste l'ossature du toit, de manière à ce que je puisse mettre déjà les escaliers. Ce sera plus pratique. Donc je disais, oui, première mauvaise nouvelle, j'ai failli arriver en retard. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est je rentre. Genre dans la salle, on me donne la copie, on me donne le sujet, et qu'est-ce que je vois? Je vois chimie. Donc c'est chimie tout court, hein, c'est pas des techniques expérimentales. Donc je me dis, je percute pas tout de suite. Et c'est quand je vois le premier exercice, où c'est un exercice du cours, exactement comme on avait fait en cours. Bon, alors là, je pouvais vous dire que j'étais dégoûté. Donc bon, la chimie, ça va, je trouve pas que ce soit trop dur, donc j'ai réussi à me débrouiller. Mais franchement, c'était une sacrée galère. J'ai dû faire un exercice en entier sur 5, la moitié d'un autre et le quart d'un autre, sans avoir révisé. Donc, je trouve que malgré que je n'ai pas révisé, j'ai fait plutôt un bon travail. Je suis dégoûté parce que je me dis que si j'aurais révisé, bah, j'aurais une meilleure note. En tout cas, c'est vachement faisable ce que je suis en train de faire. Donc, si j'ai pas mon concours cette année, je retape cette année-là. Et bon, normalement, je devrais l'avoir, hein, parce que c'est pas extrêmement compliqué. Donc là, voilà, ce sera un toit comme ça. Il aura que deux. Comment dire? Vous savez,
Là, tout à l'heure, j'ai fait l'ossature du toit pour mettre les escaliers. Et je ferai ça juste pour le devant et pour le derrière. Sur les côtés, non. Je fermerai pour un côté esthétique. Parce que vous allez voir que le toit, à la fin, c'est lui qui donne tout le charme au bâtiment. Et je trouve ça plutôt, comment dire, ça change, on va dire. Sinon, donc les maths, on va continuer, hein. Je vous ai parlé de la chimie, je vais parler des maths. Les maths, c'était tout bonnement impossible, hein. Quand je dis impossible, c'est impossible. Au collège, j'étais pas mauvais en maths. Ça s'est aggravé au lycée. En seconde, j'étais un petit peu à la traîne, hein. J'essayais malgré tout, enfin, à la traîne. Pour moi, à la traîne, c'est que sans réviser, j'avais 10. Et là où c'est assez compliqué. Alors attendez, là je vais faire une ellipse parce que ce qu'on est en train de faire au toit, c'est pas extrêmement intéressant. Donc voilà, j'ai fini le toit dans la mat dans la dans sa dans son aspect, on va dire simple, parce que il y a un deuxième aspect qui est plus original que ça. Vous allez voir, hein, bon attends, là je suis en train de faire la tête j'allais dire la tête de lit, non, la tête du bâtiment. Donc voilà, je pose des stones un peu n'importe comment. Ça, il faut faire un petit peu au feeling, hein, on n'est pas obligé de faire de suivre correctement un pattern spécifique. Donc encore un double clic. Encore un, décidément. Et après je vais vous montrer le toit. Putain, encore un double clic, quoi. Franchement, vous pouvez pas imaginer comment j'étais énervé lors de cette vidéo-là. Je savais même pas si je devais la poster ou pas. Donc bah finalement le fait que le son soit décalé, c'est plutôt pas mal, puisque ça me permet de réenregistrer en étant plus posé. Donc là, on va faire la même tête de bâtiment de l'autre côté. La porte n'est pas centrée volontairement, parce que moi j'estime que bon, malgré que je me sois trompé sur le thème médiéval, j'estime que bon, ça ressemble un peu à un style moyenâgeux, je trouve. J'estime que la géométrie n'était pas tout le temps de mise, donc voilà, ça peut rendre au bâtiment un côté unique. Vous voyez? Enfin, voilà. Alors voilà, comme par hasard, il y a trois trous. Hein, il y a trois trous dans tout l'espace où je suis, à l'intérieur de la muraille, et je tombe dedans. Je sais pas comment j'ai fait, mais c'était voilà quoi, j'en avais marre. Donc là, je casse des petits blocs de terre pour pas plus maniaquerie, on va dire. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Et là, on va s'attaquer à l'originalité de ce toit, donc que je trouve pas mal, mais je pense que ça ne marche que sur les grands toits, parce que bon, j'ai jamais essayé de voir ce que ça donnait sur un grand toit, mais ça doit pas donner vraiment ça doit pas vraiment donner quelque chose de bien. Donc la dernière colonne d'escalier que j'ai faite, trois au-dessus des 2000 dalles de briques, bah vous allez voir normalement. Alors j'ai essayé de faire quelque chose de je vais essayer d'expliquer quelque chose de d'abstrait, hein. Vous voyez l'entrée là où j'ai mis une torche avec Putain, encore une page internet qui arrive. J'ai eu la même réaction, sauf que j'étais énervé. J'avais dit, oh putain, mais d'un ton vraiment énervé. Je dis, oh putain, hein, ça m'énerve. J'avais dit comme ça. Et en plus, ça met 1 heure à se fermer, donc c'était pas cool. Vous voyez le chemin de gravier là. Il passe à travers l'entrée. L'entrée, elle fait, j'avais dit, 7 par 10. Et au niveau des extrémités des 10, donc là où j'ai mis les deux torches, hein, vous pouvez les voir, là on n'en voit qu'une, celle de gauche, et là on les voit les deux, celle de gauche et de droite. Donc j'ai mis les torches
vers le chemin de gravier. Donc je suppose que vous avez vu, ou sinon je vous on verra ça plus tard dans la vidéo. Je suppose que vous avez vu. Et pourquoi je vous parle de ça? Et ben tout simplement c'est pour vous donner un repère pour mettre des bûches noires. Donc j'ai continué, j'ai mis des bûches noires tout le long du toit, en dessous du toit. Bah pour ce que je suis en train de faire. On verra ça mieux tout à l'heure, une fois que j'aurai fini ce que je suis en train de faire. Donc là je suis en train de poser des escaliers et je me rends compte que je me suis fail. En effet, dans la partie d'avant que j'ai fait en créative. Oh putain, encore une page internet. Je sais pas si. Voilà quoi, ça m'aiderait énormément si vous me disiez comment on pourrait les enlever. Donc là, je me suis aperçu que je m'étais fail. Parce que dans la partie d'avant, il y avait un espace moins grand pour ce que je suis en train de faire. Donc là, je tombe. Imaginez mon énervement. 30 secondes. Je vais pas le faire tout de suite, mais essayez d'imaginer. Je tombe, donc j'étais énervé. Et je disais quoi? Oui, je m'étais rendu compte que je m'étais fail. Alors j'ai cassé tout ce que j'ai fait. Parce que dans la partie précédente, sur le mode créatif, je sais pas si on ira tout. Là, j'ai carrément oublié. Sur le mode créatif, il y avait un cube de moins des deux côtés. Donc ça fait que la distance que j'ai là a été réduite de 1 de chaque côté. Parce que vous voyez, je mets des vitres et là je m'aperçois, putain, mais ça colle pas aux escaliers. J'ai un fail encore. Et donc j'avais bien fait de mettre les cubes tout à l'heure là-bas. Oula, mais qu'est-ce que je fais? Ok. Ah non, non, c'est bon, j'ai raison. Ok, c'est moi qui ai tort. Vous avez compris, hein, j'ai raison, mais c'est moi qui ai tort. Parce que là, je parle de moi au passé. Enfin, je parle du Romain d'hier en étant le Romain d'aujourd'hui. Ah, j'aime bien me faire des petits délires comme ça. Bon, bref, voilà, je me suis fail. Normalement, il n'y a que 3 escaliers sur le bas et un sur le dessus pour faire une mini pyramide. Et donc là, il y en a 5, 3 et 1. Bon, vous allez voir que finalement, le résultat final n'est pas si dégueu que ça. Même que je trouve qu'il est peut-être mieux parce que celui que j'ai fait était un peu petit. Alors voilà, donc j'explique hein, ce que je suis en train de faire. Je trouve que ça donne pas mal de luminosité au bâtiment. Sachant que c'est une ferme, on va pas faire des fenêtres comme si on était dans une maison. Donc voilà, j'ai préféré faire des fenêtres comme ça en hauteur. Pas énormément de fenêtres en hauteur, mais enfin, pas énormément de fenêtres au total dans le bâtiment. Si ce n'est que des cubes de 1 verre. Je trouve que avec cette luminosité que j'apporte ici, ça donne un aspect plus réaliste au bâtiment. Donc là, je complète avec des demi-dalles de briques sur le dessus du toit. Comme ça. J'avais pas envie de mettre de bois. Et en même temps, ça rappelle les deux autres bâtiments qui sont derrière, qu'on peut voir en fond là-bas. Que je trouve qui rentre très bien. Alors voilà. Donc là, on va faire la petite avancée des escaliers pour donner toujours un peu plus de relief. De toute manière, vous commencez à connaître cette astuce-là. Hein. Je pense que tout le monde, ou alors énormément de personnes l'utilisent. D'ailleurs. Ouf, non, ouais, je sais pas. Est-ce que j'étais en train de raconter quelque chose tout à l'heure ou pas? Concernant mon. Ah oui, mes partiels. Donc, je vous ai raconté ma journée de lundi. Aujourd'hui, on est mardi. Donc, qu'est-ce que j'ai eu aujourd'hui, mardi? Eh bien, pour vous montrer à quel point je suis grave, ce matin, je ne savais pas. Je dis bien ce matin, je ne savais pas à quelle heure je commençais aujourd'hui. Donc j'ai dû vite demander à un pote à quelle heure on commençait. Je me suis pressé énormément. Donc ne savant pas à quelle heure je commençais aujourd'hui, vous vous en doutez bien que je ne savais pas.
En contrôle de quoi j'allais. Et résultat des courses, c'est que malgré le fait que je laissais traîner une oreille en cours, moi, c'est laissé vraiment traîner une oreille, hein. C'était de la physique et je n'ai pas réussi à faire un exercice en entier. Donc voilà l'aspect extérieur, enfin, pas final, mais le plus gros de l'extérieur fini. Vous pouvez voir que le toit est d'un côté plutôt pas mal, je trouve. Non, je ne trouverai pas de bon point de vue de ce bâtiment dans la vidéo, je suis désolé. C'est le bâtiment qui est juste derrière moi. Bon, attends, je fais un test sur l'église. Hop, hop, hop. Mais ce ne sera pas concluant du tout. Parce que l'autre bâtiment que j'ai fait dans l'épisode d'avant, il me gâche totalement la vue. Donc il est peut-être beau, mais il gâche la vue. Mais je pense que sur la muraille de l'autre côté, pas là où je suis monté la première fois, mais de l'autre côté, on devrait peut-être avoir une meilleure vue, mais pas avec le bâtiment vu de face. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais la deuxième partie de la vidéo. Et donc c'est là, je vais vous montrer tout à l'heure. Donc je me suis dit, bon, le vidéo en soi, il n'est pas compliqué, donc on va faire un petit aménagement intérieur, mais que d'un seul côté pour donner toujours, enfin pour vraiment donner l'impression d'une ferme. Et donc là, en regardant la vidéo, je me demande si je n'aurais pas dû surélever de plus 1 ce que je suis en train de faire, mais je ne sais pas. Ça, c'est vous qui me direz dans les commentaires comment vous trouvez la hauteur de cette petite plateforme. Voilà. Donc voilà, j'ai fait cette petite plateforme tout simplement parce que le bâtiment, il est très très simple. Il n'y a rien de compliqué dedans, si ce n'est le toit. Donc franchement, il est vraiment à la portée de tout le monde. Il y a quelqu'un qui débute dans Minecraft. Je sais plus exactement qui tu es. Je crois que c'est Calion60. Je ne sais plus du tout. Je veux pas dire de bêtises, mais il débute dans Minecraft et il apprécie mes vidéos. Donc j'espère que cette vidéo-là n'est pas trop brouillon pour toi. Le fait d'enregistrer en off une création, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Donc sois un petit peu tolérant, hein. Donc voilà, je commence à prendre l'habitude de mettre une torche quand je vois qu'il commence à faire trop sombre. Donc je suis content. Voilà. Je prends les bonnes habitudes. Donc c'est génial. Donc voilà, hein, je fais ça, c'est pas extrêmement intéressant. Je sais pas encore très bien m'occuper. Comment dire gérer Windows Movie Maker, logiciel avec lequel je fais mes montages. Et j'aimerais bien par contre mettre des passages en accéléré. Celui-là, je l'aurais mis en accéléré, c'est sûr. Mais bon, pour cet épisode-là, on va pas le faire. Hein, on va pas pousser mes mères dans les orties, comme on dit. Donc voilà, vous pouvez compter encore. Je sais pas s'il y en a un qui a commencé à compter les doubles clics dans cette vidéo, mais j'en fais pratiquement tous les 10 clics. Quoique vers la fin, enfin il y a un moment où je faisais des doubles encore, hein, des triples clics. Ah bah je crois que ça va être là. Non, c'est avec des bûches que je faisais ça. Bon là vous pouvez voir un triple clic perfect. C'est-à-dire que j'appelle les triple clics perfect, triple clics perfect, les triples clics qui passent en fait, les cubes qui se mettent au bon endroit. Donc là je m'écarte un petit peu du sujet, mais c'est pas important ce que vous êtes en train de voir. Je mets juste le plancher de la petite avancée. Vous allez voir que je ne fais ça que d'un côté. Ayant perdu mon sang-froid hier, j'ai pas voulu faire le deuxième côté. En plus, la vidéo, bon, elle est pas extrêmement longue, elle est à 38 minutes. Normalement, si je dis pas de conneries, parce que là, je suis en train d'enregistrer la vidéo en regardant la vidéo. Enfin, j'enregistre juste ma voix en regardant la vidéo. Et sur la vidéo, il est marqué 43 minutes. Donc, j'espère que c'est pas 43 minutes. Et que je me suis pas trompé. Normalement, elle doit durer la vidéo 38 minutes et 31 secondes, si je me souviens bien.
Après, tout dépend de mon parler. Si je fais un long au revoir ou si je fais encore des excuses ou... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je prends de la glowstone qui va me donner un peu d'éclairement et qui va un peu donner l'illusion d'une... comment dire de trucs de foin de bottes de foin en fait. Donc voilà, c'est une idée comme ça. En même temps, ça donne un peu d'éclairage. Vous allez voir que le résultat final à la fin, il est largement passable hein. Enfin, de mon avis. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc là, oui, qu'est-ce que je voulais faire? Là voilà, je voulais des barrières. Donc je prends une table de craft que je mets un peu n'importe où, hein, parce que dans une ferme, rien n'est vraiment rangé. Enfin, dans la ferme que j'ai vue. Et donc je m'apprête à faire des barrières, mais je me rends compte que je crafte des trapdoors. Donc j'ai quand même dû mettre deux blocs partout pour me rendre compte. Vous pouvez bien imaginer que c'était pas très très la joie, hein, parce que en plus il était quelle heure? Il devait être... Oh non, mais en plus cette vidéo-là, elle a duré longtemps. Parce que j'ai commencé, il était 8h, 8h45, à peu près 9h moins le quart. Et j'ai terminé, avec l'ellipse et tout, j'ai terminé, il devait être 10h, 10h30, 11h moins le quart. Donc c'était une longue, 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 longue vidéo et éprouvante vidéo que j'ai faite pour vous. Mais que je ne regrette pas. Parce que franchement, si j'aurais posté la vidéo avant, bah ça aurait pas été drôle pour vous. Parce que bon, peut-être que ça vous aurait fait marrer 5 minutes le fait que je gueule n'importe comment. Mais alors. Mais au bout d'un moment, je pense que ça vous aurait énervé. Donc voilà, au niveau de quelle distance il faut faire l'avancée que j'ai faite. Vous faites comme ça avec vos bûches à partir de l'extrémité de l'avancée. Vous voyez ce que je veux dire? L'avancée, elle fait un coin et à partir de là, vous commencez à mettre vos bûches. De toute manière, le visuel vaut mieux que le parler. Et je pense que vous avez compris ce que j'avais envie de dire. Vous voyez très bien que ça se rejoint parfaitement. C'est d'ailleurs ce dont je m'inquiétais en tournant cette vidéo. J'avais peur que dis donc, je perds mes mots, enfin, comme d'habitude. J'avais peur que ça ne soit pas au bon endroit. Donc là, j'utilise des barrières du Nether. Pourquoi? Ben, je sais pas. J'avais envie de les utiliser. Je trouve pas en plus que ça fasse dégueu. Et puis, bah, c'est un matériel qu'on n'utilise pas souvent. Donc voilà, ça fait du bien un peu de voir des matériaux assez originaux dans nos constructions. Donc là, j'utilise des plaques de pression. Ça, c'est une astuce que j'ai vue, que j'ai un peu copiée évidemment, sur LR6, je crois. J'espère que je ne dis pas de conneries. Qui disait que ça faisait un peu plancher qui grince. Donc souvent dans les fermes, souvent dans les fermes, on est le plancher grince. Donc je voulais reproduire un petit peu cet effet. Et j'espère qu'il n'est pas trop raté. Ne vous inquiétez pas, là-haut, ce sera aussi éclairé. Je mettrai comme d'habitude une barrière avec une torche au-dessus. Donc là, la vidéo se termine. J'ai fini. Enfin, j'ai. Oui, je crois que j'ai fini. Je crois que j'ai pas posé la glowstone, par contre. J'ai un abonné à remercier, à dédicacer plutôt. Oui, j'ai pas posé la glowstone. Je suis en train de mettre les trapdoors. Ok, donc je disais que j'ai un abonné, le 20e, à remercier. Je ne sais toujours pas son nom, je crois que c'est Trox ZHD. De toute manière, on reverra son nom plus tard dans la vidéo puisque j'irai sur ma page Facebook,
oh là là, sur ma page YouTube, le remercier parce que là, hier, je ne savais pas son nom, ou je m'en rappelais plus. Et donc voilà, je pose des trappes d'ours, donc toujours pas très intéressant. Voilà, les barrières qui étaient collées à la muraille commençaient sérieusement à me les casser. Donc là, je crois que j'ai remarqué dans mon inventaire que j'avais la glowstone. Je fais, oh merde, il faut que je les pose. Alors je les pose, donc comme je l'ai dit, hein, c'est pour. Oula, où est-ce que je monte? Oh non, bah, je me fail. Je crois que je les posais de toute manière. Donc là, je pose un petit peu de lumière, hein, je vous l'avais dit. Pour moi, la glowstone, elle représentera les bottes de foin. Les bottes de foin, vous savez, les. Des fois dans les fermes on trouve des grands rangements de bottes de foin. Donc j'avais envie de représenter un petit peu ça. Donc j'espère que je l'ai pas mal représenté. Voilà, je pose la glowstone, je commençais à m'inquiéter, je me dis c'est merde, il faut que je la pose et tout ça. Donc là j'ai pas mis là tout simplement parce que j'avais envie qu'on voit les citrouilles hein, que j'ai quand même récolté. Pour faire bah, justement rien que pour ce but-là. Alors voilà, je dispositionne un peu n'importe comment, hein, c'est le but. Hein, c'est pas, ici, c'est pas la symétrie et le rangement qui compte, c'est plus un peu le freestyle qui l'importe. Donc je remonte pour mettre la torche au-dessus comme je l'ai fait en face tout à l'heure. Voilà. Et j'ai pas annoncé, mais il y aura une surprise à la fin de la vidéo. Enfin, c'est pas vraiment une surprise, c'est plus un clin d'œil que je vais faire à plusieurs personnes qui ont la PS3. Vous allez tous comprendre. Voilà. Donc là, je me suis encore fail avec les barrières du Nether. Il faut que je les mette comme ça. Voilà. Pourquoi j'ai laissé de l'herbe dans les enclos? Parce que pour leur donner à manger. je sais que le sable pourrait donner l'impression de paille, mais voilà quoi. Déjà j'ai pas de sable, enfin j'en ai pas beaucoup, et ça m'a. J'avais pas trop envie en fait. Voilà. Alors donc on a 32 minutes. Il faut que je vois à peu près quand est-ce que j'ai fait. L'ellipse, la coupure, je veux dire. Donc là, vous voyez, hein, c'est pas dissymétrique, c'est juste que j'ai laissé un petit. J'ai décalé un peu, bah, pour donner un côté plus sympa, plus original. Et ici, par contre, c'est parfaitement symétrique pour aller avec le chemin. Vous voyez, les ressources, hein, sont complètement diminuées. Donc là, je pense qu'on va aller sur ma page YouTube pour remercier notre 20e abonné. Donc le voilà. J'étais dans le gestionnaire de mes vidéos. Voilà. Alors, ma page buguait énormément. Vous pouvez voir. D'ailleurs, en voyant Wario Land, oups, je pense que je vais peut-être arrêter cette série parce que j'ai pas l'impression qu'elle fasse l'unanimité. Vous voyez, la dernière vidéo, elle a fait que 11 vues. Enfin, voilà. Donc. Là, on va aller dans ma chaîne. Si elle veut bien se venir. Si elle veut bien se dépêcher aussi. En même temps, j'avais pas mal de trucs d'ouvert, je crois. J'avais deux Minecraft d'ouvert, cette page-là d'ouverte et une page pub d'ouverte que j'avais pas eu le temps de fermer. Et voilà. Donc, en attendant que Google débug, on va faire la surprise. Je crois. Voilà, vous pouvez voir, vous avez tout de suite compris. Je crois, j'ai le pack de Skyrim qu'on va mettre pour voir l'aspect que ça donne. Personnellement, j'en suis pas extrêmement fan, hein, mais vous allez voir par vous-même. Sauf pour l'herbe, je trouve que l'herbe est extrêmement bien réalisée. Voilà. Aussi, donc, pourquoi un petit clin d'œil? Parce que. Pyrux en ce moment est en train de faire une série sur Skyrim.
Donc, elle plaît pas mal, elle est vraiment pas mal. Faut savoir que. Oh, une page YouTube, une page internet vient de s'ouvrir devant moi pendant que je suis en train d'enregistrer. Donc, franchement, Carex, Skyrim, c'est un bon jeu. Je l'ai pas, j'ai pas la PS3, j'ai la 360, mais j'ai pas. J'ai pas Skyrim, je sais pas s'il est exclusif. Non, je pense. Non, il est pas exclusif. Mais. C'est un bon jeu, mais moi je suis pas extrêmement fan de ces jeux comme ça. Moi je suis fan de plus des jeux de voiture. Je sais pas si vous connaissez Need for Speed Hot Pursuit, mais franchement c'est un jeu excellent. J'aime bien aussi tout ce qui est GTA et tout ça. Donc vous voyez l'épée, je trouve qu'elle est pas mal aussi l'épée. Donc voilà ce que donne le pack de Skyrim. Donc ne connaissant absolument pas le jeu, je vous fais confiance pour que vous me disiez si ça ressemble ou pas, s'il y a quelques ressemblances. Voilà, par contre la bûche noire elle est extrêmement claire par rapport à la bûche claire normalement qui est plus foncée dans ce pack là, donc ça inverse tous les bâtiments. Vous voyez que la brique aussi elle est pas mal, la brique, j'aime bien la brique dans ce texture pack. J'aime bien la stone aussi. Donc là on va essayer le deuxième pack. Le pack personnellement que je préfère, le pack c'est un pack moyenâgeux. Il va très bien avec la ville, vous allez voir. Moi, en tout cas, j'adore. Vous allez me dire aussi si vous préférez que je joue ou pas avec ce pack si je fais de nouvelles vidéos dans Minecraft. Donc voilà, franchement, il est excellent. Je trouve qu'il est vraiment bien. Il est très bien fait. Oui, l'église, franchement, bien. Les briques, elles sont bien rouges, un rouge bien pétant. Et les bûches noires, elles gardent leur noirceur. Et les bûches claires par contre elles sont un peu foncées, mais c'est pas grave. Donc là je monte le toit parce que je cherchais un pack de texture qui donnait un aspect du toit qui ressemblait un peu à de la paille, vous savez. Je voulais retrouver cet effet où c'est plein de grosses bottes de paille qui sont couchées sur le toit pour isoler du froid et de la pluie. Je voulais retrouver un petit peu cet aspect là, donc j'ai pas trouvé mieux que ce pack là. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez voir, hein, franchement, le bâtiment, il n'est pas dégueu. Malgré qu'il soit simple, le toit, il fait tout son charme. Dites-moi si vous êtes d'accord. Moi, en tout cas, ce bâtiment-là, si vous le refaites, si vous le faites isoler, croyez-moi que il rend extrêmement bien. Donc voilà, on va remercier notre 20e abonné. Donc je suis à 22 abonnés. Il s'appelle Stroke ZHD. Voilà, c'est bien. C'est bien notre 20e abonné, donc petite dédicace à toi, tu la mérites. Et voilà, bah, la vidéo se termine, hein. Il reste quelques secondes, donc bah, on va bientôt se laisser. J'espère que cette vidéo vous a plu. On va chercher une bonne petite vue en espérant que ce soit la vignette pour la vidéo. Je posterai cette vidéo là mercredi. Donc demain, d'ici là, bah, portez-vous bien. J'espère que vous referez ces bâtiments dans Minecraft. Et donc, je vous laisse. Allez, ciao, bye bye.